Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Olivier Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur une île qui s'appelle non pas Paradis, ni Paradise, ni Paradil, mais Paradiland. Et regardez un peu ce magnifique drapeau. Moi, je le trouve très joli. Bon, j'ai un peu peur de tomber encore sur une île que nature. Mais on va voir ça tout de suite. On va peut-être regarder qui habite là, déjà. Allez. Lucille et Lulu. Je pense que c'est la même personne. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Allez, Lucille et Lulu nous accueillent avec Noémie, Néferti, Stéphane, Raymond, Coco, Rosalie, Bouloche, Kabuki, Didi et Miro. On les a souvent, je sais pas, je vais peut-être faire une vidéo spéciale, savoir quel habitant on a vu le... Oh! On a vu le plus. Regardez ça, au sol. Il y a une valise, ok, on est proche de Dodo Airlines. Je l'aurais peut-être mis de l'autre côté, mais regardez un peu. Alors, je peux marcher dessus. Peut-être mettre une corde ou quelque chose pour pas aller dedans. Ça aurait été encore plus... Il y a même un bateau. Wow, c'est magnifique, hein. Hello. J'aime me beurrer la biscotte. Pardon. Est-ce qu'on parle bien de la même chose? Les enfants sortaient. C'est un peu bizarre, hein, comme... Wow, très très joli. Alors attendez, je vais essayer de me mettre plutôt ici. Ah ouais, c'est très très beau. C'est grand, hein, au niveau de la place. Oh, il y a des plans et tout. Regardez-moi ça. Oh, planche de surf. Planche de surf. Je les prends tous. Ça sert à rien. C'est dommage. Ouh là 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 là. Donc là, nous avions un petit coin Kéké. On vend la musique de Kéké en 33 tours. Waouh. Là, on nous a fait encore quelque chose de très joli. Tes motifs au sol sont tout simplement magnifiques. Alors, t'as claqué les 6 pierres, ok, ensemble. Par contre, ce que je comprends pas du coup, c'est pourquoi t'as mis ça ici. Oh, le scorpion. Oh, le vilain scorpion. Ouais, ok. Ta pierre, je vais revenir comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tente pour enfants. Oh, mais il y a plein de choses que je veux. Alors, c'est peut-être des choses qu'elle va rajouter. Je vois que c'est un peu libre, là. Non, en fait, non, c'est même pas libre. Ok, la cabine pour se préparer, pour aller nager. Je pense que sur la plage, elle n'a pas complètement fini. Enfin, c'est un avis perso, hein. Je peux me tromper, hein, si elle se trouve, elle a fini. Ah, bienvenue. Le lieu a dit que bienvenue, parce que... Lucille, c'était un peu bizarre quand même. Ok, l'idée des rochers, c'est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Je crois qu'on peut même passer par là, d'accord. La chute d'eau qui nous emmène derrière. Regardez-moi cette belle vue ici. C'est très très bien. On dirait... Il y a même la saleté d'araignée là. On dirait la tenue d'Aladin. Je peux pas te la prendre. Là moi j'ai une tenue qui correspond pas vraiment au thème du jour. En tout cas c'est très très joli. Une double porte, magnifique. Et là, on passe à la citrouille. Ok. C'est vraiment magnifique, hein. Alors bon, peut-être la petite erreur, c'est la guêpe. C'est pas, c'est l'abeille naine qu'il vous faut. Voilà, c'est celle qui est là.
La guêpe, à la rigueur, on pourrait la retrouver pas loin. Moi, je l'aurais mis, par exemple, un peu... Vous voyez, celle-là, j'aurais... je l'aurais mis plus à la place de celle-ci. Et la guêpe, je l'aurais mis plutôt ici, quoi. Je l'aurais mis ici à la place du vélo. Enfin, c'est un avis perso, un avis rapide en plus. Après, ils font bien comme ils veulent. Enfin, elles font bien comme elles veulent, Lucille et Lulu. Qui sont peut-être qu'une seule et même personne, on ne sait pas. Très bois de ce côté-là, c'est bien. C'est très bien, même. J'aime beaucoup. Tout ce coin, c'est le campeur. Très, très bien. Tu lui as fait un sacré beau coin. Bravo. Alors, est-ce que l'extension du jeu sera par là? J'en parle depuis un moment dans les vidéos, mais bon, vous savez que Nintendo, c'est pas les rois de la communication, n'est-ce pas? Très, très joli, tes stands, là. J'aime bien. Neferti a l'air d'apprécier également. Elle tire un peu la tronche, mais bon. Ok, on a nos habitants qui sont là, d'accord. T'aimes beaucoup les chiens, apparemment. Ok. Oh, tout ce qui est glace ici. Oh, c'est joli, hein. Ouais, extension de la maison, un peu. Bah, écoutez, on va faire cette première maison. Hein, qui est avec la glace. C'est très, très joli. Bravo. Allez, on va à l'intérieur, on va voir avant qui habite là. Eh ben, c'est Lulu qui habite là. Allez, c'est parti. Alors, pour cette première pièce chez Lulu, il n'y a pas grand-chose. Je vais vite aller au fond. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai même pas été en bas. C'est pas la priorité. Oh, il y a les étoiles. Oui, c'est pas la priorité de l'île. Donc, vous voyez ici, on est au musée. Il y a déjà pas mal de choses. Il y a les lampadaires, la petite statue japonaise. Ah, je croyais que c'était à nouveau Lucille. Bouh! Je le trouve pas terrible ce truc-là. Tout ça, c'est moche. C'est vrai qu'au départ, la première fois, ça nous a fait un peu sursauter. Très joli coin encore. On a vraiment soigné l'extérieur. C'est la deuxième maison ici. On a une grande, grande piscine là. Oh là là, c'est bien vu ça. Avec l'escalier pour descendre. Très, très bien. Oh, on a un coin avec des animaux. De ce côté-là, il y a pas mal de coins encore à faire. C'est très très complet quand même, hein, on peut dire. Avec les chevaux ici, ok, c'est très très bien. On avait aussi un début d'œuf de Pâques ici. Alors est-ce que c'est... Non, on redescend là. Ok. On va continuer plutôt pour l'instant par là. Là, on a les... Elle tire la tronche quand même, Neferti. Souris un peu à la vie, Neferti. C'est rempli sans l'être complètement. Les motifs au sol sont vraiment chouettes. Je vais essayer de descendre. Oui, voilà. On retourne sur du la glace. Ouais, c'est quoi ça? Regardez ça. On l'avait vu déjà, les manchots sur une autre île. Il y a très très longtemps. Franchement, c'est top. En plus, avec l'eau qui déborde un peu de chaque côté. Vous avez la chute d'eau juste à côté. C'est très très bien. Très bon passage. On va continuer du coup par là.
Encore une chute d'eau. Je pense qu'on n'a pas fini ici. À nouveau un petit coin coquillage et perles. C'est très très joli. J'aime beaucoup le motif au sol en plus. T'as mis des entrées et une sortie là-bas. Très bien. Alors, Lucie. Lucie, il faut qu'on parle. Comment dire? Eh bien, ici, nous sommes... Oh, j'aime bien le motif au sol, là. Moi qui suis pas un spécialiste de tout ce qui est planète, etc., vaisseau... On va dire que j'aime pas trop. Je vois pas à quoi ça sert sur l'île, mais là, c'est très bien foutu. Le motif au sol aide beaucoup, faut le dire. Là, on a un début avec tous les 12 signes du zodiaque. On les a tous, je crois, hein, il me semble. Ou presque tous, à ce moment-là. Je repasse par là. Ah, je vais peut-être passer pour... Oui, c'était évident que c'était une île 5 étoiles. Hein, on s'en serait douté. Encore toi, Néferti, mais t'es partout. Je vois pas les autres habitants, mais qu'est-ce que je te vois, toi? Je vais peut-être pouvoir passer par là. Ah, peut-être le coin mariage. Voilà. Avec la mariée et le marié. Excusez-moi. Non, je sais pas faire la musique. En tout cas, c'est une... Un très 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 joli coin. Il est immense en plus. C'est très joli. Flamant rose au bout là, au niveau du pont, c'est bien vu aussi. Un coin un peu plus fleuri. Ah là, on va manger chinois. D'accord, d'accord, c'est très bien. Et on va revenir à notre point de départ ici. Franchement, ce point de départ était topissime. Ici, nous avons quoi? Ouais, la tenue devant, c'est bien. Je me sers un café, vous permettez? C'est très chouette. J'aime bien ce petit coin également. On va voir si tu as mis quelque chose sur la plage. Est-ce que je peux passer? Toc, toc, toc. Oui, tu as mis quelque chose sur la plage. Blou, blou, blou. Ok. On va pas tous les deux ensemble, mais bon. T'aurais pu en mettre un de l'autre côté, peut-être. Ah, je vais pas pouvoir passer. Faut que je fasse demi-tour, d'accord. Ah, là aussi. Je voudrais aller voir le coin qui est là-bas. Est-ce que je vais pouvoir passer? Il y a Paris. Pas mal, hein? Là aussi, il fallait y penser. C'est pas mal du tout. Non, non, non. Tu ne passeras pas par là. Ouh, Stéphane. Et je redescends par ici, d'accord. Est-ce que je peux monter quelque part? Non, j'ai pas l'impression. C'est pas très grave. C'est très très chouette. C'est dommage, tu n'as pas mis de motif. Je me serais servi sinon. Soyons clairs. Cabine d'essayage à l'extérieur, ils ont mis quelques tenues pour les sœurs doigts de fée. Je pense que je vais pouvoir remonter par là pour visiter la dernière maison. Celle de Lucille. On peut dire que le coin à Lucille est vraiment top avec la piscine. Très très beau.
Allez, on va chez Lucille. Alors, la première pièce, j'aime bien ton motif au sol. J'aime bien ton sol, en fait. C'est une cuisine. Il y a ce qu'il faut, hein. Beaucoup d'éléments, il manque peut-être un ou deux trucs au mur, mais bon, c'est pas très grave. Il y a beaucoup de choses, c'est très bien. Allez, on va au fond. Alors, c'est une chambre d'enfant avec des jouets. Ok, et elle fait très bizarre là, le mur. Le mur est très étrange, je trouve. Un peu moche, quoi, si vous préférez. Par contre, ton tapis en cœur, chouette. Et aussi ton motif au sol, j'aime bien. J'aime bien. C'est une jolie pièce, le rose est de mise, c'est bien. On l'aura compris, tu es une fille. Allez, troisième pièce, s'il vous plaît. Troisième pièce, c'est sans doute la salle de bain. Ah non, non, pas du tout. Oh, c'est bizarre. Ici, c'est plutôt couture, repassage. On met le linge à sécher. Ok. C'est bizarre. C'est la fumée qui m'a induit en erreur. On a quand même une machine à laver. Orange en plus. Orange ou jaune. Et une machine à coudre jaune. Qui marche d'ailleurs. Hop là. Ah, c'est peut-être la vapeur faite par le fer à repasser. Il fait beaucoup de vapeur alors. Ok, c'est une pièce plutôt féminine, n'est-ce pas? Trêve de plaisanterie. Je m'arrête. Allez, quatrième pièce. Eh ben, c'est pas une salle de classe, mais c'est le coin où on travaille, n'est-ce pas? Peut-être des... Ah, c'est très bizarre parce que le mur fait très... banque. Là, vous avez vos petits casiers avec vos petits secrets cachés, votre argent. Très, très bizarre. On a l'impression qu'il y a deux professeurs qui travaillent. Lucie et Lulu. Alors, vous faites quoi? Vous êtes sur le virus Covid-19, peut-être? En train de travailler dessus? Peut-être un médicament efficace à l'avenir? Non, celui-là est très... Le Pfizer est très bien. Mon bras s'en souvient encore. Allez, la cinquième pièce, s'il vous plaît. Waouh! Une jolie pièce que nous avons là. Alors, nous avons un côté chambre ici, avec même un petit salon pour regarder la télé. Et un petit coin salle de bain, où Chmou me pouponne, ou enfin Lulu se pouponne. Espèce aussi, hein, c'est important. Avec une tenue de sortie déjà, tout rose. Très belle tenue en plus, j'aime bien ce truc là. Je crois que je l'ai donné chez moi, j'ai dû le donner à Margot, mais bon, elle est plus là. Mais ça allait bien, hein. Même pour une vache, ça lui allait bien. Allez, on s'en va. Rendez-moi ma Margot, s'il vous plaît. Non, non, j'aime bien Monica. Là, nous avons une pièce très bien remplie. J'aime beaucoup le mur et le sol. Une guitare basse, s'il vous plaît. Non, non, très beaux éléments, il n'y a rien à dire. Tout est magnifique. On a même le petit bouquet rose. Rose violet et la tasse violette. C'est perfecto. Bien joué, les filles. Alors, vous le savez, comme d'habitude, je finis mes vidéos sur le coin que j'ai préféré de cette île. Alors, je pense que vous avez déjà trouvé... Où je vais me rendre. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave.
On y va. Je sais même pas si je prends le bon chemin. J'ai pas l'impression. C'est très très joli là aussi. C'était très joli. Le voilà. C'est tout ce coin là qu'on avait commencé dès notre arrivée à Dodo Airlines. Oui, c'est le sol en fait. C'est ces motifs au sol. J'ai adoré. J'ai un moustique qui me poursuit. Je sais pas si vous voyez, il est juste là. Vilain. Je suis dans un rêve onirique et il m'envoie des moustiques. J'y crois pas. Allez, je m'éloigne pour essayer de lui échapper. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette île? Eh bien, qu'elle est tout simplement très jolie. Très beau travail de la part de Lucille et Lulu, à moins que ce soit que Lucille, ce qui est fort possible également. Comme on ne sait pas, ben on ne dit pas. Il faudrait, Lucille, que tu me donnes ton code ami pour que je vienne te voir, te piquer tes planches de surf qui m'intéressent beaucoup. Je te remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de mettre un pouce bleu. Et si vous êtes abonné, vous pouvez aussi activer la cloche pour savoir quand je mets les prochaines vidéos sur Animal Crossing. Je vous dis à bientôt.